Hello, vous êtes sur la chaîne YouTube de Je suis un gamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce donc que ce jeu? Je vous vois venir, je vous vois arriver, je sais très bien ce que vous pensez. Dites-vous qu'il y a quelques temps de cela, j'ai eu la même réaction que vous, je ne savais absolument pas en quoi consistait 420 Shibuya Scramble. Alors pourquoi ce jeu est-il unique? Est-il à part entière? Eh bien déjà parce qu'il a pour thématique principale l'un des 23 arrondissements de Tokyo, Shibuya, qui est même plutôt un quartier très branché, c'est le quartier de la mode, c'est là où on trouve tous les grands magasins et boutiques de mode, de vêtements. Mais ce qui fait aussi de 420 Shibuya Scramble une œuvre culturelle majeure, eh bien c'est la note que ce jeu, entre guillemets, a reçue lors de sa sortie sur Wii en 2008. En effet, le fameux magazine japonais Famitsu lui avait attribué la note parfaite, 40 sur 40. Cela n'était pas arrivé depuis 22 ans. Il y a seulement deux jeux qui ont hérité de la note parfaite sur le magazine Famitsu. Et 420 Shibuya Scramble en fait partie. Alors regardons en quoi consiste ce jeu. Ce jeu est développé par Spike Chunsoft, studio de développement et de localisation nippon. Il est édité par Koch Media. D'ailleurs, nous remercions Koch Media pour la confiance que cette agence nous accorde au fil des mois. Ce jeu est sorti en France, en Occident, le 21 septembre. Comme je vous l'ai dit, il a été sorti pour la première fois en 2008 sur Wii. Ensuite, il a été réédité très récemment sur PS4. Il est disponible en version physique et digitale, mais je tiens à vous préciser tout de suite que le jeu est déjà en rupture de stock quasiment. Il s'est écoulé à la vitesse grand V, si bien qu'il y a très très peu de versions physiques de disponibles sur Amazon. Je viens de regarder. Et le jeu est non seulement disponible en quantité très limitée, mais en plus de ça, il est proposé à un tarif exorbitant, plus de 70€. Je trouve que ce n'est pas normal et je trouve que c'est même honteux. Allez, place à mon test de 420 Shibuya Scramble. Alors les amis, pourquoi je me suis orienté vers ce jeu? Pourquoi j'ai décidé de tester 420 Shibuya Scramble? Je vais être honnête avec vous, c'est mon âme de collectionneur qui a parlé. Je savais que ce jeu allait être distribué en stock limité, je savais que ce jeu allait devenir rare et que, par conséquent, il allait gagner en valeur. Et honnêtement, je me suis pas vraiment intéressé à 420 Shibuya Scramble lorsque j'ai fait ma demande à Koch Media. Certes, j'avais lu quelques communiqués de presse, mais je les avais survolés, je les avais lus en diagonale, et moi je m'attendais à un jeu vidéo. Et je dis bien un jeu vidéo narratif, un petit peu comme dans Detroit Become Human. Mais en réalité, il n'en est rien, parce que, retenez bien cela les amis, 420 Shibuya Scramble, c'est un visual novel. Vous savez qu'au Japon, on développe, on nourrit cette tradition des romans visuels. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu là-bas. Il sort des romans visuels quasiment toutes les semaines. Et au Japon, on considère les romans visuels comme des jeux vidéo, ce qui n'est pas mon cas à moi. Pourquoi? Parce que un roman visuel, eh bien, ça implique des actions très limitées. Qu'est-ce que peut faire le joueur dans un roman visuel? Eh bien, c'est tout simplement lire des phrases qui défilent à l'écran et admirer des images et des animations qui, elles aussi, s'alternent. Et bien sûr, il y a une petite musique d'accompagnement, il y a quelques effets sonores et bruitages sommaires, mais ça s'arrête là. En général, dans un visual novel, le joueur ne peut pas faire grand-chose de plus. Dans 420 Shibuya Scramble, certes, le joueur doit incarner 5 différents personnages. Ces personnages ont des professions, des statuts sociaux et des personnalités très différentes. On a par exemple un jeune inspecteur qui vient d'entrer dans la police, qui est Shinya Kano. On a l'ancien leader d'un gang qui s'est reconverti en activiste écolo, Aki Endo. On a un journaliste freelance complètement loufoque, Minori Kawa. Et on a aussi une petite vendeuse déguisée en mascotte, déguisée en chat. Elle s'appelle Tama. Enfin, pour terminer, on a le père de l'une des protagonistes principales du jeu, c'est-à-dire la fille qui s'est fait enlever au tout début. Eh bien, son père va essayer de la secourir. Son père est un professeur de renommée internationale. Il s'appelle Osawa. Donc, on incarne ces 5 joueurs et on évolue
à leur côté pendant toute une journée. La journée débute à... attendez, si je me rappelle bien, à 10h du matin, et elle se termine à 17h, d'accord? Donc on est amené à vivre 7 heures du quotidien de ces 5 personnes dans des chapitres qui sont au nombre de 8, d'accord? Donc il y a 8 chapitres à terminer pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Le but du jeu, c'est de passer d'un chapitre à un autre, sauf que, en fonction des actions que vous faites, il y aura des répercussions dans l'histoire, et bien souvent... on atterrit sur la mauvaise fin à la fin du chapitre. Donc, cela implique que le joueur doit rejouer les chapitres précédents pour trouver quelles sont les bonnes décisions et actions à réaliser. C'est le seul moyen de débloquer des situations. Et pour ce faire, le joueur va devoir reculer dans le temps par le biais d'une frise chronologique. Il y a une frise chronologique par personnage jouable. Et forcément, chaque frise chronologique a des éléments qui relient plusieurs personnages simultanément. Je dois admettre que ça doit vous paraître très compliqué, comme ça, en écoutant ce que je suis en train de vous dire, vous devez vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est quoi ce jeu de dingo ?» Ben oui, c'est un petit peu ça, hein. C'est un jeu cérébral, c'est un jeu qui est fait pour les personnes qui aiment réfléchir, qui aiment se prendre la tête. Moi, personnellement, c'est pas trop mon cas. Mais bon, il y a quand même quelques mécaniques de narration qui font que, voilà, on est obligé, si vous voulez, de passer par des actions liens entre différentes séquences, d'accord, pour faire que les joueurs se rencontrent à un moment précis. Il faut sauter sur certaines opportunités, sur des moments précis de l'histoire des personnages en question pour, si vous voulez, débloquer le chapitre suivant. C'est très, très... c'est très prise de tête, c'est vrai, c'est un jeu énigme, hein, c'est un visual novel qui vous pousse à vous creuser les méninges. Fort Only H will scramble, et clairement, il y en a beaucoup qui seront réfractaires à ce genre, ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, je m'arrête là les amis, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce jeu qui n'en est pas un. C'est un visual novel, ce n'est pas un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que je lui ai donné que la note de 6,8 sur 10 sur jesuisungamer.com. Mais bon, il faut quand même retenir qu'on a là affaire à une œuvre culturelle majeure, vraiment. L'histoire qui nous est racontée dans 428 Shibuya Scramble est tout simplement fantastique. Elle est captivante, elle est avant-gardiste, ça parle de thèmes dont on a du mal à parler, même dans nos sociétés modernes, aujourd'hui en 2018. On parle de burn-out, on parle d'écologie, on parle de refonte de la société, on parle de bioterrorisme. Donc toutes ces thématiques-là sont quand même avancées. Hein. Faut se rappeler que ce jeu est sorti 10 ans en arrière, 10 ans plus tôt. Donc voilà, rien que pour ça, ce Fort Only H will scramble devrait mériter votre attention. Mais attention, je vous rappelle encore une fois que c'est un visual novel, c'est un roman, ce n'est pas un jeu vidéo pour moi. Et en plus de ça, le gros hic de Fort Only H will scramble, c'est que ce n'est traduit qu'en anglais, les amis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo test. N'oubliez pas de smasher le bouton like, de laisser un petit commentaire comme toujours, et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci les amis, ciao.